une jolie limace en prime. Bon, on va peut-être la laisser la limace, hein, on va pas la manger quand même. Regardez ce que je viens de trouver, un joli terrier. Je ne sais pas ce que ça peut être, c'est peut-être un terrier de renard ou de blaireau. Mais il est vraiment chouette, vraiment vraiment chouette. Et il y en a d'autres tout autour. Donc c'est pas des... Je crois que ce soit des terriers de lapin, ils sont beaucoup trop gros. Partout, il y a plein d'entrées, plein plein plein. Oh, celui-là il est tout frais, il n'est pas bien vu. Regardez bien la terre là, toute récente. Ah, les empreintes, essayer de trouver des empreintes. Je suppose que ça doit être un des terriers de blaireau. Des empreintes, mais j'arrive pas à les reconnaître. Récupération d'un petit peu de bois gras, ça peut toujours servir.
là, c'est une plante comestible. Bon ben voilà, la balade est terminée, le vélo est terminé. Un petit résumé de ce que j'ai pu trouver. À l'origine, comme je vous disais, hein, c'était juste une petite balade et du coup ben, j'ai trouvé pas mal de choses. Donc là j'ai trouvé un peu de bois gras, des châtaignes, un petit pochon de coulmel, oui pochon, enfin une bourse ou un sac. Désolée pour les mots, des fois que vous allez peut-être pas comprendre certains mots, c'est un peu du patois vendéen, donc voilà, c'est dans mon langage, hein, c'est comme ça. Et j'ai coupé deux petites branches de noisetier. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, à bientôt.